Depuis novembre 2020, TF1 propose deux feuilletons en access avec Ici tout commence dès 18h40 puis Demain nous appartient à 19h15, en lead-in du JT de 20h. Ainsi, un nouvel épisode des deux séries était proposé, ce mardi 4 octobre 2022. Si depuis plusieurs semaines, certains téléspectateurs sont privés de TF1 en raison du conflit avec Canal+ et l'arrêt du signal, la série avec Ingrid Chauvin subit plus les conséquences que le soap sur l'Institut Auguste Armand. Ici tout commence performe avant le drame sur Anaïs. L'épisode d'Ici tout commence de ce mardi 4 octobre, où Anaïs découvre qu'elle est responsable de la mort de son frère, a réuni, entre 18h38 et 19h13, 2,69 millions de téléspectateurs, soit 19,2% de part de marché sur les 4 ans et plus. La série devance largement la concurrence et le premier numéro de N'oubliez pas les paroles sur France 2, 14,6%. Sur les cibles, le soap sur l'école de cuisine a séduit 27,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, soit 472 000 femmes responsables des achats et 18,9% sur les 25-49 ans. Demain nous appartient sanctionné sur TF1. Ensuite, Demain nous appartient, proposé entre 19h14 et 19h49, a convaincu 2,67 millions de fidèles, soit 15% de l'ensemble du public. La série avec Ingrid Chauvin se retrouve battue par le second numéro de N'oubliez pas les paroles sur France 2, 16,3%. Sur les cibles, le feuilleton a séduit 19,8% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, soit 423 000 femmes et 13% auprès des 25-49 ans. Ainsi, alors que Demain nous appartient, marqué par la disparition de Sophie Novak, est diffusé à un créneau plus exposé, Ici tout commence se montre beaucoup plus conquérant sur tous les critères. TF1 se retrouve donc bouleversé puisque Julie Sassoust, l'interprète d'Anaïs, dont le personnage est au cœur de l'intrigue, renverse donc la série avec Ingrid Chauvin. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi dès 18h40 suivi de Demain nous appartient à 19h15 sur TF1.